C'est le making of. Normalement, c'est la première making of. Salut l'équipe, ici c'est la team jeux vidéo. Comme vous êtes en train de le voir, on est tous à l'œuvre en ce moment sur la DigiWeek pour vous faire un jeu vidéo assez sympathique. En fait, ce sera un remake de Space Invader, mais qui se déroulera dans les locaux de l'ESP et de l'ESD, avec bien évidemment les personnages emblématiques qui y vivent. Donc nous, on est une organisation secrète et on recrute des talents pour les métiers de demain. Et du coup, casser les codes dans le sens où vous n'allez pas faire le métier de tout le monde, suivre un parcours où vous allez faire partie des talents de demain. On est l'Escape Game ESP. On est parti sur un principe d'espionnage et les gens seront invités à découvrir qui est le coupable qui a poussé Ronald McDonald en dehors du monde de la publicité. Alors nous, on est l'Escape Game Digital, on est la deuxième étape après l'Escape Game Général fait auparavant. Donc nous, notre but, on est dans un mec futuriste où les personnes vont devoir résoudre des énigmes pour libérer l'apprentissage au monde entier et libérer justement les informations dans un univers très particulier, très sombre, au grand public. On s'octroie une petite pause de 2 minutes. On est l'atelier Conductive Ink et on peint sur les murs avec de l'encre conductrice et avec des petites loupiottes qu'on va allumer juste en posant la main sur le mur. C'est très fun et c'est très casse-tête aussi, mais c'est très cool parce qu'on a le droit de peindre sur les murs. On est la team photo et notre rôle du coup c'est de sublimer les talents et les inconscients qu'on a ici et les mettre en lumière. Nous, on est le groupe Vidéo Mapping et en clair, on fait des projections lumineuses sur les murs. Donc voilà, on va faire quelque chose qui est encore mieux que la fête des lumières. Nous, on est la team Snapchat. Alors pendant 2 semaines, on a travaillé sur la création de filtres. Par exemple, pour l'Escape Game, en réalité augmentée, il y aura une clé qui apparaîtra. Et on a fait aussi des filtres pour l'Opening Night et aussi pour les jolies portes ouvertes. Alors nous sommes la team interview et durant 2 semaines nous interviewerons des étudiants de l'ESP et de l'ESD sur des thèmes qu'on a mis en place avec toute notre équipe. Je peux pas lire cette question. Y a-t-il meilleur que Yannick dans cette école? Bah oui, moi, votre directrice adorée. Et lors de l'Opening Night, nous allons avoir l'occasion d'interroger des professionnels sur des thèmes prédéfinis. Un chasseur sachet sans son chien est un bon chasseur. Mon groupe, on a travaillé sur les parodies de vidéos. Donc on a, pour chacune des formations de l'ESP et l'ESD, on a créé des parodies pour présenter les bachelors, les masters, les différentes formations à l'ESD et l'ESP. Arrêtez, arrêtez, c'est à vous de l'or, ces images. Salut, moi je suis partie du groupe Social Wall. Moi, mon groupe consiste à mettre en avant toutes les publications sur les différents réseaux lors du Digital Event. La partie communication de l'événement. On s'occupe de tout ce qui est avant, pendant et après communication sur donc les 3 événements. Nous, on est la team signalétique et on s'occupait d'animer un peu les couloirs avec différents supports, autant print que vidéo, pour présenter.